quadratic equation by the rivers of Babylon. Un problème babylonien, 1600 avant Jésus-Christ, demande le côté d'un carré si l'aire de ce carré diminué par son côté donne, en nombre sexagésimal s'il vous plaît, 14,30. Voilà la solution écrite sur une tablette d'il y a environ 3600 ans, traduite bien sûr en français. Prends la moitié de 1, donc 0,30. Multiplie 0,30 par 0,30, tu as 0,15. Ajoute 0,15 à 14,30, tu obtiens 14,30,15. Le dernier est le carré de 29,30. Ajoute 0,30 à 29,30, le résultat est 30, ce qui est le côté du carré. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Moi non plus au début. On va essayer de comprendre ensemble. 1600 avant Jésus-Christ, 9,20,8,30,10,23. S'écrit maintenant, 2000 après Jésus-Christ, 9 fois 60 au carré, plus 20 fois 60, plus 8, plus, après point virgule on passe aux fractions, 30 sur 60, plus 10 sur 60 au carré, plus 23 sur 60 au cube. C'est ça l'écriture en base 60. Avec cette clé, vous pouvez traduire en écriture de nos jours le problème babylonien. Ainsi, 14,30, ça veut dire 14 fois 60 plus 30, égale 870. Puis 1 demi, la fameuse moitié de 1, c'est 0,30, c'est-à-dire 30 sur 60, c'est vrai, ça fait 1 demi. Puis la multiplication, 0,30, 0,30, 1 demi fois 1 demi, ça fait un quart, autrement dit 15 sur 60, ce qui donne bien sûr en écriture babylonienne 0,15. Évidemment, on triche un peu parce que l'écriture babylonienne ne contenait pas les chiffres indo-arabes, mais on ne peut pas faire un saut de presque 4000 années en expliquant tout dans quelques minutes. Puis 14,30,15, c'est le nombre précédent, 870, plus un quart. Le fameux 29,30, 29 plus 30 sur 60, autrement dit 29 plus 1 demi. On peut vérifier par exemple à la calculette, ou à la main si vous voulez, que 29 plus 1 demi au carré, c'est rien d'autre que 870 plus un quart. Autrement dit, ça, c'est la racine carrée de ça. Le carré de ce nombre, c'est celui-ci. Voilà, on a les clés pour aller plus loin. On trouve donc l'énoncé suivant. L'aire du carré, diminué par son côté, donne 870. La solution, c'est prendre la moitié de 1, donc 1 demi. Tu multiplies 1 demi par 1 demi, tu trouves un quart. Tu ajoutes 870 plus un quart. Et ce dernier nombre, c'est le carré de 29 plus 1 demi. Tu ajoutes 1 demi à 29 plus 1 demi et tu trouves 30. Et maintenant, la dernière version, tout à fait contemporaine. Si je note par x le côté du carré, on obtient x carré moins x égale 870, x carré étant l'aire du carré. Je passe 870 dans le premier membre, je soustrais 870, puis là, c'est le moins difficile. X carré moins, à la place de x, je vais écrire 2 fois 1 demi fois x. Remarquez que ce x, c'est la même chose que ça. Pourquoi je me suis compliqué? Vous allez voir tout de suite. Mais constatez d'abord que ce produit fait x. 2 fois 1 demi, ça fait 1. Puis,
je vais rajouter un quart et je vais soustraire un quart. Pourquoi je me complique? Vous allez voir tout de suite. Et bien sûr, je soustrais 870. Remarquez bien que tout ce qui est là, c'est ici. La différence, c'est que le 1, qui était coefficient ici, ça a été écrit 2 fois 1/2, et le quart est apparu, il a disparu. On va aller voir pourquoi. Et maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Parce que les trois premiers termes, ceux-là, me rappellent une identité remarquable, et c'est bien sûr, si vous réussissez, de transformer ça dans un produit, c'est x moins 1/2 au carré. A carré moins 2ab plus b carré, c'est a moins b au carré. Et bien sûr, je groupe ici les deux termes, 870 plus 1 quart. Constatez déjà les apparitions, comme dans la solution babylonienne, de ces fameux 1/2, 870 et 1 quart. Et bien sûr, comme ici, j'aimerais bien que ça apparaisse comme quelque chose au carré, le voilà le fameux 29 plus 1/2 qui apparaît, parce que 29 plus 1/2 au carré, ça donne 870 plus 1 quart. J'évite les décimales, que l'on ne confond pas avec l'écriture babylonienne. Et sous cette forme-là, quelque chose au carré moins quelque chose au carré égale 0, ça me rappelle une autre identité remarquable, a carré moins b carré égale 0, et bien sûr, je factorise comme un troisième a moins b fois a plus b égale 0. A étant ça et b étant ça. Alors ici je fais le calcul, ça fait x moins 30 et ici x plus 29. Ces deux termes sont opposés. Un produit est nul si un des facteurs est nul. Ou bien x égale 30 ou bien x égale moins 29. On vient de retrouver la solution x égale 30 qui a été trouvée par les Babyloniens. Constatez l'apparition des fameux nombres qui sont ici aussi dans notre résolution de 2012. Les Babyloniens n'ont pas trouvé la solution négative. Évidemment, ça n'existe pas un carré de côté nombre négatif. Et évidemment, à l'époque, le nombre négatif avait du mal à exister. Ils sont apparus bien plus tard. Cette méthode-là, quand on a complété ici ce carré, c'est un carré, ça s'appelle la méthode de la complétion du carré. On va y revenir. Ou la méthode